Le César du meilleur acteur est attribué à... Benoît Magimel. Il réussit un carton plein, deux Césars pour deux nominations en cette catégorie. Il rejoint Philippe Noiret, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Michel Bouquet et Mathieu Amalric dans le club des mouvements césarisés, mais il entre dans l'histoire de la cérémonie, car il est le tout premier à remporter ce prix deux années consécutives. Dans ce film, il joue un haut commissaire de la République sur l'île Tahiti, confronté à la rumeur insistante de la reprise des essais français nucléaires sur place. C'est le deuxième César de la soirée pour Pacifiction. C'est totalement irréel. C'est encore mieux la troisième fois. Je crois que ça, c'est... Merci à Albert Serra, merci à mes compatriotes... polynésiens qui m'ont donné la réplique, qui m'ont accompagné, qui m'ont nourri. Voilà, merci à. Franchement, c'est beau. Ça fait vraiment du bien. Et je pensais pas avoir autant de liberté comme acteur là, sur ce film. Je pensais pas que ça pouvait être possible d'être aussi libre, en fait, tout simplement. Et voilà, je suis. Voilà, je remercie l'Académie, je remercie les votants. Ce soir est un moment assez fou. Et voilà, je suis très touché. Je le dédie à mon père ce soir, ce César. Et puis voilà, à tous ceux que j'aime. Merci beaucoup.